Allez, arrêtez, s'il vous plaît, les amis. Franchement, en revanche, si c'est du second degré et tout, moi, j'aime bien Salty Academy. Mais soyez cool, quoi. D'accord. Quand, surtout quand des pros vous font l'honneur de, d'être là, quoi. Voilà. Soyez cool, ok. D'accord. Merci, Moonster, pour les 17 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Ok. Donc, je veux bien le second degré, mais là, premier degré. Alright. Prochaine fois, on se retransforme en surveillant un peu relou. Et si c'est relou, bah ça dégage. Allez, désolé les amis. Hein. Il y aura un petit peu de, il y aura un petit, on va forcément privilégier les personnes avec une petite certif devant. C'est Balkany, c'est le Valois Péry ici. Ok. Oh, il y a Likefak qui est en train d'attendre du coup la win entre Norage et Arxen. Likefak qui avait gagné contre Ranker juste avant. Merde, pourquoi ça marche pas? Data va affronter MX7 qui lui a gagné contre Gnerod, qui lui a gagné contre Juha. Gros niveau là sur le bracket. Klega continue son ascension et va affronter Yui. Blen lui a battu Roddy et affronte Nolf. Alro. Alro fait une belle ascension. Hein. Non, mais Alro des héros de l'EHPAD. Ouais. Je te le récupère pour refaire un match, s'il gagne. Ah bah, s'il gagne le prochain contre Riz, là, Bah là, déjà, même Matarox, je sais pas, mais voilà, quoi. Alro, son match, faut spec. Alro, toujours en game, j'avoue. T'as joué, Nano? Yozer. Ok. En attendant, on va aller mater ça, du coup, les amis. Archery face à ADN. Seed 100 face à Seed 0. Alright. En avant. Du coup, zbra. Bam. Je me barre. Il va y avoir un Len versus Klega, surtout si ça passe. Ah ouais? Oh, ce serait incroyable. Les deux make me a monster. Et même Mopiz a fait un beau parcours. Create Online. Je suis fier de vous, les jeunes. Je viens de perdre Six, donc Liké joue contre mon adversaire. Il est très fort, 6-4. Il est top 17. Et t'as la rage, Norage? Len, il a grandi depuis. Pff, ouais, grave. T'es pas très grand, Mowgli, toi. Hein. Si? Ou alors c'est une fausse impression. J'ai toujours l'impression que les gens qui ont des cheveux longs sont pas très grands. Du coup, moi, j'ai l'impression d'être très grand. T'es grand ou pas? Moi, je fais combien de centimètres? 1,83. Je fais 1m80, bien joué. Ouais, mais avec tes vœux, mon gars, tu fais 1m86 au moins. Par rapport à WAM, il y a zéro, mon gars. Merci Fraise Flagada pour les 7 mois de frais de scolarité. Et moi, c'est... Putain, c'est lisse. Une couille, le truc. Et encore. Je fais 1m95. Archery, tu fais 1m95. Ouais, mais toi, tu dois être gaulé comme une courgette. Ok. Je t'imagine gaulé comme une courgette. Comme une brindille. Vas-y, Mowgli. Eh hey, je te jure, tu vas prendre un ban. Je fais 1m92. Non, mais Stouflex. Stouflex au Six Invitational. Arrête. Tu fais pas 1m92. D'où tu es? Bon, les gars, franchement, je pense que... Je pense que là... Je reviens. Je pense que franchement, sur notre push, au niveau de café, là, on avait un problème. Arrête. Mais non, t'es pas grand. Samy, tu fais 1m90? What? Mais t'as grandi, mec.
Attends, en 2017 ? Mais non, mais non. Mais non, j'y crois pas. J'y crois... Mais non. Je sais même plus ce que vous dites. Je sais même plus si c'est vrai ou faux, tu sais. J'ai tellement pas assez dormi. On va aller regarder un truc... Six Invitational BDS, le temps qu'ils reviennent, de toute façon. On vous voit, là, sur le truc ou pas, là ? Attends, attends. Ah, Renshiro, il fait 2m16. C'est le plus grand, déjà. Attends, je vais couper la musique au cas où. Ah, non, 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 non. 1m90, non, 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 non. Parce que je me suis dit, ça se trouve, quand je l'ai vu, il avait 19 ans. Et ça se trouve, il a fait une pousse, tu vois. C'est possible. Ah, non, non, non. Oh... Non, 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 non. 90 tout court, oui, mais 1 mètre, non. Non, non, c'est tout. Non, 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 non. Tu fais 1 mètre 71. 1 mètre 71. Attends, on va le voir debout. Ah, oh, je suis un fils de pute. Je suis désolé d'avoir rigolé. Ah, oh, je suis odieux. Je suis odieux. Je suis trop un fils de pute. Mais c'est juste que la transition était parfaite au moment où on cherchait l'info. Je suis désolé. Je suis un fils de pute. T'as vu, c'est pas loin de Renshi. Oui, bah oui, 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 oui. Avec l'effet de... Avec l'effet d'optique. C'est peut-être l'effet d'optique. Je suis sûr que c'est l'effet d'optique. Ok. Alors, putain, je pensais que... Vraiment, je me suis dit, attends, il a pris... Parce que t'es baraque, tu sais. Aussi que je me souviens baraque, tu sais. J'ai fait... Oh, putain, on aurait dit un coach de sport, quoi. Merci Phoenix pour les 2 mois, t'es un monstre poulet. Tu vas rien dire, Stouflex. Attends, il m'a chambré sur ma calvasse. Vas-y, on est parti sur le physique. Hein. Il a dit qu'il revenait. Ok, let's go, ADN. Qui va gagner, les amis? Un ou deux dans le chat. ADD. Le voilà. Déjà, je l'invite. Frère, je peux rien dire, MDR, il a total raison, là. Non! Non, j'aime pas, moi. J'aime pas. J'aime pas me moquer... J'aime pas me moquer de la taille. Il y a deux trucs, il y a deux trucs. La calvasse et la taille pour un homme. Il y en a ras le cul qu'on puisse se moquer librement et ouvertement de ça. Je suis extrêmement premier degré, ok? Si, si t'as le physique de Bibi Bandom, t'as pas le droit de toucher au physique. Mais alors la calvasse, mon gars. Et la taille, bah alors on s'en bat les couilles. Et ça, je suis pas d'accord. Je m'insurge. Je tape sur la table. Donc, je suis désolé. 1,83, moi. Enfin, je crois. Après, je suis geek. Je sors jamais. Je fais plus de sport. Donc, maintenant, je me courbe. Je dois faire 1,72 m. C'est possible. Allez, on va les attendre, du coup. Voilà, le temps qu'ils arrivent. On va checker le bracket. Voir s'il y a des évolutions. Vas-y. Je peux pas dire le mot turc. Putain, Bougli. Va te faire enculer, putain. Tu peux pas dire... Oui, bah oui. Il y a 2-3 pays qu'on a supprimés dans le chat. T'es vraiment un enculé, hein. Mais quel bâtard! Tu vas à la Gamer Assembly, sérieux? Moi, je dis Scott à l'Elovar à la GA, faut trouver le plus petit et le plus grand. Mais non! Le plus grand, c'est Samzer. Le plus grand, c'est Samzer. Et le plus petit? À la Louvar? Ouais, Baby Shark, peut-être. Voilà, c'est bon. L'année dernière, c'était ça, en tout cas. Le plus grand, c'est UNG. Ah ouais? Putain, la vache. Les mecs, ils font 15 mètres. Bon. Oh, attendez, il faut attendre ça, là. Oh là là, il y a des matchs que j'ai envie de voir, là. Et ils sont dans quelle équipe, là? L'Axantia, Oxide. JFK, il est chez Inferia. Ancien Youngtis.
R6 Forever, c'est qui? Bonjour tout le monde. Bento, je vois qui c'est. Méthode, je sais pas. Riz, je vois qui c'est. Alro, je vois qui c'est. Matator Rox, je connais pas. Len, je vois qui c'est. Nol, je vois pas. Klega, je vois. Oui, je vois pas. No, Nero, je vois pas. On s'en fiche, de toute façon, c'est avancé. MX7, je vois pas. Data, on vient de le voir. Il joue chez qui? Likefa contre Arxen, c'est lancé. En avant. Ça, ça va être un beau match. On pourra pas le voir. Merci infiniment, petit 50 pour les 22 mois de frais de scolarité. On va commencer. Il est quelle heure? Il est 17h. De toute façon, il y aura les demi-finales. Ah, les quarts de finale en BO3. Ok, je pense qu'on peut faire les quarts de... Je pense qu'on peut avoir la prod. Mais je pense qu'on peut, on peut faire les quarts de finale en BO1. Et toutes les caster. Salut le chat 64CHEF. Merci Poulet, merci Clément, t'es un monstre. Merci pour l'aide les amis, merci pour les 6 mois. Merci Nick The Bee, nouvel étudiant. Je pense qu'on peut caster le match 125, 126, 127 et 128. Mais toujours du BO1. Et après bien évidemment 129, 130, 131 en BO3. Ikefax c'est vraiment un rat. Il va tryhard ses grands morts juste pour un PC à 1200 balles. Mais après il va le donner. Il va perdre Mowgli. Pourquoi vous avez pas participé vous? J'ai lose tour 3. Je pense l'IKFA qu'il perd. Bah après c'est du 1v1, hein. c'est vraiment très particulier pour le coup. Faut venir m'aider hein, pour me dire si on peut lancer, parce qu'on va prendre du retard autrement. Et si on a envie de caster tous les matchs du tour 6, ce serait cool. D'ailleurs, dès qu'il y en a un du tour 6 qui est prêt, on y va. Dès qu'il y en a un du tour 6 qui est prêt, on le prendra après, hein, poulet. Dès le tour 6? Bah, s'il y en a un qui est prêt, l'idée, c'est de caster les 4 du tour 6. Ok. Ouais. Bah, dès qu'ils sont prêts, je me fais ça. Là, du coup, tu me donnes le truc? ADN, c'est bon. C'est il est là. Archery ADN. Archery face à ADN, ok. La map. C'est Archery ADN ou ADN Archery? C'est... Ah putain. Moi je perds un 1v1 ici, c'est j'arrête Archery ma ADN, carrière, hein. Je vends de la C ou alors je fais Imam. Et pourquoi t'as pas participé? Eh Mowgli, t'es dispo, en plus t'es là sur le chat. Avoue t'as flippé un peu. Avoue t'as eu un peu peur. Avoue c'est la peur. Avoue t'as fait caca culotte. T'as eu peur de Viviflak. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis rentré il y a 30 minutes. Et ce soir, je suis pas là. Bon, l'autre, il a une vie sociale et tout. Vivibrak, pardon. Tu m'as dit Archery ADN? Oui. Ok, excuse-moi. Ça va, tu tiens le coup ou quoi? Oui, j'ai commandé à bouffer, là. J'ai la bouffe sous les yeux. Ok. Donc c'est Archery ADN, ok. La map, tu l'as ou pas encore? Non, je ne l'ai pas. Ok. Tu peux inviter Archery ADN? Merci Dafter pour les 8 mois, t'es un monstre, poulet. Et n'hésitez pas les amis. Yacht, pour Archery les... qui vient de me dire. Pour payer un médicament pour les lendemains de soirée pour Artaïk et les autres personnes de la prod, si vous mettez 1€ dans les dons, ça part à la prod aujourd'hui. Voilà quoi, faites pas les rats. Si c'était 1200€ à gagner, je l'aurais fait, je pense. Pff, ah là là, je te jure. Jamais content. T'as dit quoi, excuse-moi, vas-y, dis-moi. Et yacht, la map. Yacht? Oh putain, on aura jamais de plane aujourd'hui ou quoi? Ok. Si t'as le side après. Non, j'ai pas le side, pas encore. Ça va arriver. Alro vient de perdre son match. Non. Ici, ça vient juste d'arriver. C'est dommage. Likefak et Arxen sont sur plane. Ah ouais. Il y en a un des deux qui est en live? Ouais, faites des dons pour payer la bouffe d'Artaïk, les amis. 2-2. 5-7, j'ai lose. Eh, hey, Alro, t'as level up, hein? Qu'est-ce qui t'arrive?
Il est chaud le héros. Ouais, j'avoue. C'est toi qui as gagné Matarox du coup. Tu mens en ami. Ah ouais, d'accord, ok. En avant. J'ai fait beaucoup de 1v1 dans ma vie MDR. Bah ouais, je vois et ça. Que les, et que les gars a perdu aussi. Merde, face à qui? Face à You. Ami? À You. Ok. Du coup, est-ce que c'est bon pour les settings, les amis? Attaque, défense, la map? Ouais, peu importe. Non, mais c'est pas peu importe. On veut les choses de façon régulière. Et de façon bonne. Comment ça, tu vas aux toilettes, mec? Il y a une prod, là. T'iras chier plus tard. Il a peur. Le pipi de la peur, on l'appelle. Ouais. Ah, carrément. Ah bah là, c'est le Alt F4 de la... Ouais, ouais, ouais. Il flippe, à mon avis. Hein. Il se dit, putain, c'est ADN quand même en face. La force tranquille. Quand est-ce que tu quittes ton boulot, ADN? Merde. Ah, t'es un monstre, là. Je peux gagner ma vie autrement. En direct de l'Académie du Sel. Un viewer si a claqué son pré-étudiant. Combien de faux pour être joueur Youngtis? Merci Alro, t'es un monstre. Envoyez plein de GG pour eux. 800 euros. 800 euros par mois? Ouais. Attends deux secondes, je demande à Mowgli parce qu'apparemment il est dans un club de foot dont j'ai jamais entendu parler. Mowgli! Les Wolves en direct de l'Académie sont pas mal. Première ligue. Un viewer a claqué son pré-étudiant. Ah, vous êtes des monstres, les amis. Vraiment. Bon bah voilà, ça te paye ta bouffe, Arta. Merci Thaïos pour les 20 euros. Vous êtes des monstres. Enfin, vous partagerez ça. Hein. Moi, je te donne la thune, tu te démerdes après. Je vais mettre aussi le caïman. Ah oh, bah ouais, vas-y. Ni vu ni connu. Bon, enfin là, caïman, je sais pas. Là. T'auras déjà du mal à t'acheter un polo crocodile. Bon, tu l'achètes. En référence au reptile. Enfin, ok. J'arrête. Je crois qu'il le veut, son PC MDR. Likey, il met des dingueries. Mais Likey, il joue trop tranquillement. Et vous avez vu, il n'y a pas de singerie, quoi. Il n'y a pas de dandinage à droite, à gauche. C'est juste propre. C'est pro. Et Ranker, je crois qu'il est parti. Ça va mal pour lui. Ranker, qu'est-ce qui s'est passé face à ton match contre l'IKEFAC? Est-ce qu'il serait possible pour le live d'avoir tes impressions et ton retour vocal hein, de nous expliquer ce qui s'est passé? Merci. Journaliste d'investigation. Bah ouais, bien sûr. Il y a eu un 7-0? Non. Et Zeryu, pourquoi t'as pas participé? C'est pareil, là. T'aurais pu mettre des bastos, mon gars. Tu repartais avec un petit PC à 1200 balles. Tout ça parce que vous êtes pété de thunes, les mecs. Vous avez pas besoin de ça. Je le savais. Non, je me gratte la cuisse. Eh, Archery, il se fout de la gueule de qui, en revanche, là? Alors non, Archery m'a envoyé une petite photo. Il a coupé son ordi en appuyant sur la multiprise qui est à ses pieds. Donc son ordinateur redémarre. Bon, on va attendre. Merci la prod. Merci Papa Carton, t'es un monstre d'avoir offert à toi-même en fait 12 mois de frais de scolarité, vraiment. Fait claquer mon prix, mais repars bosser. Amusez-vous bien. Et n'oubliez pas les amis, si vous cherchez un PC justement en ce moment, n'hésitez pas à aller voir Flow Up. Vraiment, ils ont été royaux. Du début à la fin, je fais pas beaucoup de promotions sur la chaîne. Enfin là, avec Oli, ça commence à faire quand même. Ça fait déjà deux. Mais des personnes à qui qu'on est allé voir, je ne citerai pas les marques telles que le.
et toutes les autres marques qui m'ont fermé la porte au nez parce qu'ils n'en ont strictement rien à branler, parce que pour eux, faire de l'e-sport, c'est faire de l'e-sport sur des jeux tels que Mario Kart et Pokémon. Voilà. Donc, 3 mois qu'on cherche. Donc, merci à FlowUp, en tout cas, de nous aider et en plus de nous filer un coup de main pour la Louvard, puisqu'ils sont juste à côté de la Louvard, c'est en Belgique, FlowUp. Si vous cherchez des bons PC, n'hésitez pas. Genre, vraiment. Vraiment. Et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne French Hardware. C'est les vils brequins du PC. Non mais Archery, franchement, il me fait... dans 30 secondes, il est ban. Bizarre le clic, le bip quand t'as dit LDLC. Non, je suis jamais allé voir. Tu peux inviter Archery. Ah. French Hardware sont trop trop bien. Non, et vraiment, leurs PC sont cool. Vraiment. Les PC sont optimisés, ils sont préparés, etc. C'est pas juste tu vas à Super U, quoi. Voilà, bah surtout pour des personnes qui connaissent pas grand-chose au PC et qui veulent un PC tout de suite bien fait, quoi. Moi, j'aime bien monter mon PC personnellement. Mais... Alright. R de la part d'ADD. Est-ce que t'es ready, nom de Dieu, ou quoi, Archery? Oui. Donc tu peux appuyer sur R, écrire R. Fais gaffe, t'as une multiprise au niveau de l'orteil. Allez, bon match à vous. Merci Poulette, t'es un monstre. On a enlevé le logo de FlowUp sur le stream, mais il est au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que tu racontes, Jägerbomb? Qu'est-ce que tu cherches la merde, là? Pourquoi tu fais ton français, là, Jägerbomb? Il est partout, le logo, frérot! MDR, je suis bourré. Ah bah ouais. Attends, je l'ai bien mis dans le... Je l'avais pas mis dans le titre. Tu comptes ouvrir un... C'est quoi un mime pour devenir riche? T'as 12 ans. Ikeyo, t'as 12 ans. Pour avoir ce genre de référence, t'as 12 ans. Ah. Barre-toi d'internet. Non mais vas-y, c'est une blague. J'ai un OnlyFans en plus. Hein. Tu peux t'abonner dessus. Hein. Regarde. Allez, en avant. ADN face à Archery, les amis. IQ pas autorisé, du coup, on est d'accord. Ah ouais, ça bug, IQ. Bah... Gentleman agreement. Gentlement. Merde, je vous ai banni les mecs, je suis désolé. Y'a rien avec IQ. Désolé pour le ban, Yui. No joke, 6-4, j'ai envie d'en ouvrir un. Ouais, mais prends un sub. Prends un sub, moi j'ai envie que tu prennes un sub. Le pied à gauche, ADN. Bien joué, Archery, t'as tout mis à côté. Si ADN lose, je cours en short autour du dôme de Charleroi. Vous avez entendu? C'est Vibes qui a dit ça. Oh lolo. Et Archery, il nous l'a fait... Oh!
find the biohazard container's location. Il y a marqué l'archer. L'archer sur sa cam. C'est l'archer. Ah ouais, on traduit tout, nous. On traduit les pseudos, ok? ADD, c'est ajouter maintenant. Allez, en avant. Deuxième round, en tout cas. Entre Archery, qui avait participé à l'ancien Unitis Royal. Et ADN, qui a participé au dernier Unitis Royal. Oh là 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 là, cette position qu'on utilisait à la sortie de boat. Oh, 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 oh. Oh, j'ai bien aimé. Ça connecte pas. Tu fais les tournois que sur PC ? Ouais. Ouais, histoire d'avoir des... Tu sais, que ce soit sexy, quoi. Oh ! Et la tête blanche ! Pardon, c'est pas du... Pardon, Twitter, Twitch. On n'a rien vu. Mais... C'est lui qui l'a mis ? Son pseudo sur la cam ? L'archer ? Lol. On l'a vu décalé pourtant, non ? Ouais, bah après en 16 dixième, je sais pas s'il y avait peut-être en 4 tiers parfois, tu sais... On n'a pas vraiment la même vision, mais je pense que ouais, je pense que même en 4 tiers, il l'a vu. En 16-9ème, nous, pour le coup. Et ça fait 2-0, tranquille, propre pour ADN. Pixel. ADN, il est en train de fumer une clope, ouais. Tranquille. Et c'est quoi ce truc des caméras ? Je sais, je comprends pas. Comment les gens peuvent rater des cadrages de caméras ? On dirait une interview de Stouflex. Il est toujours là, il est toujours là. C'est pour voir s'il est toujours là. Il va me tuer. C'est un métier, hein, de cadrer. Ouais, ouais. Oh, il l'a vu. Il l'a vu. ADN. Tout va bien pour lui. La petite ligne, elle est propre. Elle est propre pour ADN. Le petit pré-shot en face, ça va connecter sur rien du tout. D'ailleurs, on va faire check. Et on va se mettre en mode shake au pic. On va essayer de prendre l'info. On va avoir du mal. La grenade, attention, la grenade, mais ça servira à rien. ADN, il est serein. Serein, il se permet même de tirer. Dans la chatte, en fait. Genre, c'était le plus mauvais crosshair placement qu'on ait vu de l'histoire du crosshair placement, quand même, sur ce DTK. Il a tout mis dans les genoux. Zéro pression, 3-0 pour lui. Easy. Easy pour ADN. Non mais... ADN, il joue au pistol, il perd son drone, il s'en bat littéralement les couilles. Hein.
Qui avait parié sur Archery là? Ok, Archery qui est obligé de sortir 12 000 gadgets. Il a bossé des setups, le mec. T'inquiète. Ouh, les petites lignes et tout. Le petit pré-shot du drone. Eh ben non. Et derrière, ADN, on va casser la caméra. Forcément, on va pouvoir avancer au niveau de cette... entrée de l'hélipad. Et on va casser le deuxième drone pour Archery. Maintenant, ADN est en full fait échec. Et on a préparé des petites lignes un peu putes quand même du côté d'Archery. Attention. Attention à ça. C'est compliqué pour ADN. Il y a beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes. Et on a zéro info. On peut pas passer ici. On va casser le fil barbelé. On va essayer de belle sur le fil barbelé. On vient d'avoir une information. Le maestro nous met des dégâts. Du coup, il est pas sur autre chose que sa cam. Derrière, on rotate. Mais on s'y attend pas. Bien joué de la part d'Archery. Qui a joué avec sa proie. 3-1. L'IKEFA qui a win 7-5. GG, well played. GG, well played. L'IKEFA qui avance. Et bon setup, ouais. Bonne position. Comme quoi sur les salty duels. On peut aussi juste utiliser son cerveau. Capcan, et pourquoi pas? Capcan, petit C4, bonne arme. Et puis surtout des gadgets bien relous. Capcan qu'on voit énormément jouer, même à niveau pro, depuis quelques temps. Comme quoi les opérateurs de l'année 1. Oh, c'est quand même le meilleur. Lol, lol, lol. Non, je déconne, il y a Grim. Allez, ADN, il écoute. Prépare une fenêtre. Ou pas. On prend l'info, on casse le drone. On a un deuxième drone du côté d'Archery. Va pas falloir le perdre celui-là. Dommage. Petit pré-shot à l'endroit où on pensait le voir et derrière. ADN, il s'en bat les couilles. Hein. La force tranquille. Hein. Bien sur ses appuis. Y'a rien à dire. 4-1 pour ADN. Sans pression. Sans pression. Archery, il est stressé de ouf. Il va faire une remontada, je le sens. Ouais, mais tout à l'heure, Rancœur a pas fait de remontada en étant stressé. Je pense qu'il y avait le stress quand même. Est-ce qu'il a écouté mon message? Vas-y, il écoute pas mon message.
Ouais, n'hésitez pas à faire point d'exclamation FlowUp les amis, c'est eux qui sponsorisent ces Salty Duel. Grâce à eux, on ne les aurait pas fait. Et ils ont été absolument adorables. Du début à la fin. Et ils ont bien compris ce qu'on voulait faire. Et ça, c'était vraiment cool. Attention! Oh, c'est à l'extérieur, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et n'hésitez pas à faire point d'exclamation YT. Oh là là, trop facile! Trop facile! Trop facile! Trop facile en fait. Juste trop facile pour ADN. Et il lit dans son. Il lit dans son adversaire comme dans un livre ouvert. Easy. Easy. Cinq à un pour ADN. 5-1. ADN est bien corsé, faut l'avouer. Ouais, ouais, non, mais complètement. Et je pense que ADN, il est... En fait, tout se joue dans le... Ça se sent, hein. Ça se voit. Ça se voit qu'il y en a un qui joue serein. Et ça se voit qu'il y en a un qui joue un peu crispé, quand même, tu vois. Ça sent une finale ADN Liquefac, moi, je dis. Si c'est possible. Il a lancé une chasse au terreau, ADN. C'est possible. Ah ouais? Allez, on va jouer sur l'averti. Il n'y a que la trappe ici. De mémoire, le plancher ne se pète pas. Non, il se pète pas du tout. De mémoire, il se pète pas. Alors on va prendre les infos, mais c'est horrible à jouer. Petite grenade pour essayer de faire bouger. Et ADN, la force tranquille. Il joue en marchant. Il marche tout le temps. Il court jamais. On fait pas de bruit. On se replace. Et à un moment... À un moment... Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Gêné par son ACOG, il ne l'a pas vu. Et on vient de rentrer. Attention. Les deux savent. Sauf que l'un a utilisé ses grenades, l'autre pas. Et la première va partir, forcément. Et elle oblige à se relocaliser. Derrière, c'est intelligent de la part d'Archery. En plus, qui profite du pick advantage derrière. On fait bouger son adversaire. On vient jouer sur un décalage à 90 degrés. Et même si ça proc, on l'a entendu pour ADN. It's fucking Rainbow Six Siege. Sur internet, pick advantage pour Archery. Facile. C'est possible. ADN face à l'IKFAC. Ce serait une belle finale. Allez, Archery part sur Oryx. Et ADN sur son fidèle Buck. 5 à 2 toujours pour ADN. Pour le moment, c'est un no match. A voir Scarchery, est-ce que les deux petits rounds de mi lui ont donné un peu la confiance? Il faudra un mec avec une structure comme 6-4 mais sur console. Donnez-moi de la thune, moi je vous fais tout, on vous fait tout, il nous faut juste de la thune, t'as pas besoin de mec sur console, moi je te le fais sur console. Je te rétablis d'e-sport sur console, ce qu'il me faut c'est de la thune. Genre vraiment? Derrière on était ouf nous. On manque de budget.
on vous refait tout. Moi, je vous fais un Six Invitational sur la PlayStation. Premier degré. On fera des trucs cette année. J'ai perdu 7-5 contre l'Ikefac, dommage. Ouais, on a entendu, ouais. On a entendu. Dommage. Merci Six pour l'event, bah t'inquiète. Merci d'avoir participé, les amis. Remerciez la prod, surtout. Déjà qu'ils doivent me supporter, je suis infâme avec eux depuis 2 jours. Enfin, 2 jours. Entre 2 jours et 2 ans, quoi. Oh, Archery, Archery. Derrière toi, Archery. La vie... Ah! Il se réveille! 5 à 3. Fais un OnlyFans. Tu parles d'argent, mais t'as une fourchette. 1000 euros par mois. 1000 euros par mois. Et je fais de l'e-sport sur PS. Et je parle juste du cash price, là. Les 1000 euros, genre, mais je mets 0 euros dans ma poche. Juste le cash price à payer. Moi, je demande juste qu'on paye le cash price. C'est tout. Et ça sert à rien de me dire, ouais, non, mais 500, machin. Non, 1000 balles. Pendant combien de mois? Un an. Et Xbox, combien? Et vous êtes en crossplay maintenant. PlayStation, Xbox, c'est pareil, non? Il y aurait une rentabilité ou pas du tout? Oui. Bah oui, un direct. Ça fait des viewers, non? Et puis on fait un truc pour le jeu. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Moi j'aime bien ça, en fait. J'aime bien ça. Quoi? J'ai un skin. Faut venir me voir sur Discord, les poulets. Pour aller sur ma son Discord. Y'a quoi avec les skins? Les skins, c'est comme Six Invitational. Tous les skins sur les personnages sont interdits à part les skins e-sport et Pro League. Oh, les flashs, les flashs, elles font mal. Mais derrière, on a un shotgun. On a un shotgun. Oh là là, il s'en bat les couilles, un DN. Eh, mais il tue des mouches au couteau. Vas-y, mais d'où il marche ce shotgun là? Depuis quand il remarche ce shotgun là? Depuis quand ce shotgun remarche? Il y avait au moins 6 mètres là, boum boum boum. Putain la vache. Oh le fils d'up. T'avais quoi, j'ai pas vu. Oh l'enfoiré. Allez, 6 à 3 en tout cas. 3 balles de match à sauver pour Archery. 3 balles de match au profit d'ADN.
Arthur qui va tenter peut-être un petite agression vers l'extérieur. Et qui se ravise. On va jouer Goyo. Pourquoi pas? C'est BO1, ouais. BO1. Bon, on prend les infos. De l'autre côté, on n'a pas cassé les cams du côté d'ADN. Et on va droner. Arthur qui se balade. ADN qui casse la porte, pardon. C'est entendu par Arthur. Ouf. Les petites balles passent au-dessus de la tête. On l'a vu. Oh les petites balles de la part d'ADN. Attention, il est trop easy pour Arthury. Too easy, extrêmement bien joué. En deux temps, on est venu se rapprocher, on a laissé le drone derrière. Et en deux temps, du coup, on n'a pas cassé le drone. Et on s'est infiltré comme ça entre la position du drone qui était sur l'objectif et la position de la personne. Bien joué. En compète, on n'a pas le droit d'utiliser les skins du jeu. Quel skin? Que des skins e-sport et Pro League? Ouais. Ouais, il me semble, ouais. Ah oui, t'as cru quoi? Tu vois vraiment un mec au Six Invitational? Finale de Six Invitational, frérot. Finale de Six Invitational. Ok? Le truc est à son comble. Ok? Il y a 5-3, d'accord? C'est G2 face à fucking BDS. Ok? On est en 2024. Il y a 160 000 personnes dans l'arène. Il y a 2 millions de personnes qui regardent... Ouais, Rainbow Six marche bien l'année prochaine. Ok? Qui regardent le stream, etc. Ça se joue sur un clutch. Et là, boum boum, le mec a une tête de mozzarella. Est-ce que t'imagines comment en une demi-seconde, on perd tout le sérieux de l'e-sport? C'est impossible. Et après, t'imagines, il loupe son clutch. Et le mec est interviewé. Bonjour, Sheiko. Pourquoi est-ce que vous avez perdu votre clutch? Bah, normalement, là, en fait, le problème, c'est que Modi avait pris son skin pizza tartiflette. Et du coup, Lightbox, c'est pas la même. Et je l'ai raté. Si seulement il avait pris le skin Iron Maiden, là, je l'aurais eu, je pense. Voilà. Nox Serpillère. Oh non, mais Nox, elle a toujours été Serpillère. Yes, ok, ça c'est bon. Et l'autre, il me répond pas. Ok. Allez, Archery, peut-être. Il a sauvé une balle de match. ADN, la force tranquille sur la M14. Toujours au silencieux. Et on a entendu le drone. On s'attend à ce que ça aille vite derrière. On a revu le drone. On n'a pas envie de se faire bait par ce drone. On le casse. Et derrière, on rentre. On y va directement. Les flashs, Archery. Les flashs, Archery. Et ça fait 7 à 4. Trop facile pour ADN. La force tranquille. ADN avance, Archery. Terminé. GG. Well played. GG, well played. Le résultat des prédictions est ADN, ladies and gentlemen.